yeah, yeah, dance to the beat, time for lonely party, here we go. Ah, yeah, yeah, welcome to, yeah, fiesta de los amigos. Et bonjour à tous, bienvenue sur E-World Oldies, c'est Mitch, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu qui n'a rien à envier à un bon vieux Toy Story, puisqu'on se retrouve, comme vous pouvez le voir, sur Clockwork Knight 2. Alors je connais pas le premier, c'est un jeu de Sega Saturn, au passage, hein, c'est vrai que bon, je pense que vous l'avez remarqué selon le générique. Alors attendez. Oui, je le sais, je me mets beaucoup de vie, parce que vous allez voir que ce jeu n'est pas tellement évident. Et c'est la raison pour laquelle il vaut mieux démarrer avec un certain nombre de vies. Alors voilà, une petite présentation donc de ce jeu, que vous allez voir tout de suite. Alors on démarre tout de suite par un boss, comme vous allez pouvoir le voir. Voilà, c'est bon, à la capture ça bug pas, donc c'est impeccable. Alors voilà, donc je vous présente Peperuccio. Oh, attention. Peperuccio, donc je disais, une skin assez énorme, franchement, comme vous pouvez le voir. Il est possible de courir comme ceci, tout simplement comme ça se faisait souvent lorsque l'on avait des manettes à croix multidirectionnelle, hein, comme avant. Il suffit d'appuyer tout simplement deux fois vers l'avant pour courir vite. Voilà, un petit peu comme la plupart des jeux de baston, tout ça,
Des jeux 16 bits, hein. Voilà. Bah oui, il est mort. Donc voilà, alors Pepperuccio, il est possible de courir, mais également de déraper, comme vous pouvez le voir. Tout simplement en courant, en appuyant donc deux fois à l'avant, et ensuite en appuyant un coup à l'arrière. Et vous allez voir que le fait de pouvoir déraper comme ça, eh ben c'est vachement utile. Notamment lorsque on arrive à proximité d'un trou ou d'une chose pareille. Vous allez voir que ça s'avère vraiment très utile de pouvoir déraper comme ceci. Et franchement, je trouve cet effet sur le personnage plutôt réussi. Honnêtement. Alors là, on va se taire un petit peu, hein, histoire de vous laisser la démo. Alors voilà la démo, c'est passé. Alors donc Clockwork Knight 2, c'est un jeu qui mélange à la fois la 2D et la 3D. Donc là vous voyez, on va démarrer donc pour le premier niveau sur cette map. Il faut savoir qu'on peut pas interagir hein, sur la map. Tout se fait automatiquement, c'est juste pour montrer un petit peu les différents niveaux dans la pièce. Parce que oui, ça se passe dans une maison et on défilera de pièce en pièce en fait, tout simplement dans la maison. Afin de rattraper, comme vous avez pu le voir dans la démo du début, hein, la princesse. Ah zut, je commence à me faire tuer là. Je disais donc qu'il faudra tout simplement sauver la princesse poupée là, je sais pas son nom. Hein. J'ai plus la notice sur ce jeu malheureusement. Je n'ai que le CD original et la boîte, mais j'ai plus la notice. Alors vous voyez, je sais pas si vous avez fait attention. Il est possible également de ramasser des objets. Regardez là, comme voilà. Alors, c'est assez chiant, faut dire, parce que c'est un coup à prendre. Parce que vous voyez, en fait, là, l'attaque que je fais, je la réalise avec le bouton B. Mais pour ramasser les objets, il se trouve que c'est également avec le bouton B. Et tout simplement en restant appuyé dessus. Alors, pour une attaque, il faut appuyer un petit coup dessus, voilà. Et appuyer plusieurs fois dessus, comme ceci, afin de remonter, comme là, l'escalier. Mais par contre, pour prendre l'objet, je disais, il faut rester appuyé sur le bouton B. Alors, il faut anticiper parfois, surtout lorsqu'il y a un ennemi assez proche. Et donc, c'est pas très pratique. Surtout que je trouve dommage que le bouton A et le bouton B, comme vous pouvez le voir, ont tous les deux la même utilité. Donc, c'est assez dommage. Ils auraient peut-être dû trouver un autre système pour ramasser donc les objets. Je sais pas, par exemple, utiliser le bouton A. Hein. Mais bon, néanmoins, je vais pas mentir. Oh, je me fais tuer déjà de partout là. Je vais pas mentir, c'est vrai que le gameplay est quand même assez réussi. Une fois qu'on a pris le truc, c'est assez simple de. Vous voyez, regardez. C'est assez simple finalement de ramasser les objets. Hein. Ça faut le signaler quand même. Je fais gaffe parce que je sais qu'on peut tomber. Et je voulais rester là-haut. Pour vous montrer un petit passage secret. Franchement, regardez les décors en fond. C'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais regardez les graphismes du fond. Honnêtement, la 2D mélangée à la 3D comme ça. Franchement, moi j'aime bien. Il a une vraie identité à lui, ce jeu. Moi je trouve, personnellement. Hein. C'est vrai que les niveaux, franchement, sont tous différents. Et ils ont tous une identité à eux-mêmes, franchement. Bon, c'est sûr que les pièces sont assez fantaisistes. Hein. Je sais pas dans quelle maison on trouve ça. Mais franchement. C'est un assez joli jeu. Et il y a même la possibilité d'interagir comme ça avec les décors. Alors les jetons que je ramasse actuellement, comme vous pouvez voir, c'est tout simplement des jetons qui vont nous servir par la suite pour gagner des vies, des trucs comme ça. Parce que oui, ça se passe un peu à la manière de Donkey Kong. par la suite, on atteindra un espèce de niveau bonus, on peut dire, hein, je sais pas si on peut dire comme ça, où je vais pouvoir acheter des vies, des jetons aussi, tout ça en échange d'autres jetons. Voilà, bah, je vous montrerai après, hein, de toute façon. Et là, ce que je veux faire, c'est vous montrer ça. Voilà. Et là, quand même, les décors en fond, franchement,
Normalement, si je m'abaisse comme ça, je crois. Voilà, regardez. Hop, on peut voir vers le bas. Et si je relève, voilà, on peut voir vers le haut. Alors, parfois, ça peut s'avérer utile pour trouver des justement. Ah, zut, je suis tombé. Pour trouver justement des petits passages secrets, des trucs comme ça. Parce que, oui, dans ce jeu, vous serez mené à trouver plein de petits passages secrets. C'est pour ça que je voulais vous montrer ce jeu-là. Parce que pour moi, c'est l'un des très très bons jeux de la Sega Saturn. Parce que, on le sait, hein. On sait tous aujourd'hui, je vous apprends pas. La Sega Saturn était la reine de la 2D. Et franchement, des petits jeux de plateforme comme ça. C'est. Ah, oh, c'est pas possible. C'est ce qu'elle savait faire de mieux. Oh là là. Alors là, je sais pas si je vous ai montré, si je vous en ai parlé, je pense pas. Regardez, là, le menu, vous voyez, je peux l'enlever et le remettre. Tout simplement pour voir le temps qui nous reste en haut à gauche. Le nombre de vies disponibles et aussi le nombre de points. Voilà. En bas à gauche, c'est notre jauge de vie. Vous voyez les roues à remonter le temps là. Du petit soldat de plomb. Parce que oui, c'était l'un des. Pardon, c'est un petit. Oh, mais c'est pas vrai là. C'est un petit soldat de plomb. Attendez, je vais me taire deux secondes. Je vais me concentrer parce que. Pourtant, je vous dis que le gameplay est bon, mais. Il est à la fois très sensible. Et comme là, je me suis pas entraîné avant de capturer, là. J'ai pas repris le gameplay en main, mais ça va venir, hein. Vous allez voir, ça va venir très vite. Après, logiquement, ma prestation ne devrait être que meilleure. Je peux sauter. Oh non, ça va. C'est cette boule-là qu'il faut que j'atteigne. Voilà, on l'a eu. Je la ramasse parce que bon, c'est toujours intéressant d'avoir tous ces jetons pour gagner plein de vie. Parce que oui, ce jeu est assez difficile quand même, mais grâce au niveau bonus auquel on va accéder après, un peu plus loin dans le jeu, bah, grâce à ça, ça nous permet quand même d'avoir beaucoup plus de vie et ainsi de pouvoir tout simplement pouvoir terminer le jeu plus facilement. Vous voyez la skin des ennemis aussi, franchement, assez énorme. Moi j'aime bien, mais je la trouve un peu répétitif. Même le jeu d'ailleurs, je le trouve un peu répétitif au fil des niveaux, mais en même temps c'est un jeu de plateforme. Ah mais c'est pas vrai, en plus je le sais à chaque fois se réveille. C'est vrai que le jeu est assez répétitif, mais néanmoins les niveaux sont assez variés et vous allez voir qu'ils se diversifient plutôt pas mal. Mais il faut l'avouer quand même, il y a un certain côté repompe. Ah zut, c'est là qu'il fallait que j'aille. Il y a quand même un petit côté repompe dans ce jeu. Vous allez voir. Oh là, par contre là on a plus de temps, je suis en train de voir. Bon tant pis, on va finir le niveau. Oh non. C'est pas possible. Bon c'est pas grave, on va finir ce niveau là vite fait. Vous allez voir qu'il est possible de le terminer aussi bien rapidement que ce qu'on a commencé. Oh, c'est pas possible, j'ai raté tous les niveaux bonus. Et cet effet là, lorsqu'on tourne comme ça, il est plutôt réussi aussi, je trouve. Oh, mais c'est pas vrai, j'ai appuyé pourtant. C'est vrai que le gameplay est accrocheur, mais franchement, il est vraiment trop sensible. Et allez. Oh là là. Le niveau suivant qui est plutôt réussi franchement, mais avec quand même beaucoup de repompe, je trouve. Alors là il fallait tout simplement viser la lettre qui était en surbrillance au moment de la fin. Vous voyez, hein, le niveau il se termine assez rapidement si l'on veut vraiment, mais par contre le niveau peut être à la fois immense si on explore vraiment tout le niveau, voyez, vers le haut, tout ça, et ça c'est vraiment intéressant dans le jeu. C'est ce que j'ai vraiment apprécié dans ce jeu là à l'époque. Bon, moi par contre, ce jeu là, je suis honnête avec vous, je l'ai jamais terminé, hein. J'ai jamais eu le courage d'aller jusqu'à la fin parce qu'il n'y a pas de sauvegarde dans le jeu.
Il n'y a aucune sauvegarde possible. Et honnêtement, j'ai jamais eu le courage d'aller jusqu'à la fin. Je peux pas vous dire s'il est vraiment long ou non. Moi, j'ai joué, allez, on va dire une heure, peut-être, une heure à tout casser, deux heures. J'usais toutes mes vies en général et puis j'avais pas le courage de recommencer. Parce que comme je vous ai dit, c'était un jeu assez répétitif. Et voilà. Et puis à l'époque, c'est vrai que j'avais pas trop joué à ce jeu-là. Malgré que je me souviens que j'avais bien apprécié. Et c'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui. Parce que c'est un jeu que je connais quand même plutôt pas mal, malgré tout. Parce que je le possède vraiment depuis l'âge de 15 ans. Ça doit faire bien faire une quinzaine d'années. Parce que ce jeu est sorti en 1995. Donc si on compte, moi je l'ai pas eu lors de sa sortie. Hein. J'ai eu un peu plus tard, je saurais plus quand exactement. Mais c'est vrai que je le possède depuis un bon nombre d'années. Et j'avoue que là en y rejouant, il y a quand même la skin de l'âne. Ah zut, ou du bidet, hein, je sais pas trop si c'est un âne ou un bidet. Mais franchement, elle est plutôt pas mal. Mais je trouve quand même, je sais pas si vous aurez le même avis que le mien, je trouve qu'il y a quand même pas mal de repompes sur Donkey Kong Country. Franchement, moi je trouve, enfin c'est mon avis personnel, je peux me tromper, mais franchement je trouve que ce jeu copie quand même plutôt pas mal Donkey Kong Country Return, enfin pas Return pardon, mais Donkey Kong Country, qui lui était sorti en 1994 il me semble. Voilà, c'est déjà la fin. Oui, on y a réussi, joli coup. Donc là on va gagner certainement une vie, voilà, une vie. Ouais, c'est grâce à ça que le jeu permet quand même qu'on puisse le terminer. C'est grâce à toutes ces vies, parce que les continues, je crois qu'il n'y en a pas énormément. Il me semble qu'il y en a un ou deux de continues. Donc on a plutôt intérêt à gagner des vies et à explorer les niveaux pour ça. Alors on va arriver au boss micro là. Vous verrez que c'est pas mal, il y a un petit effet de distorsion. Bon, en général je le tue avant l'effet de distorsion de la cage à poules, hein. Je sais pas vraiment ce que c'est. Sur quoi il s'entortille le petit serpentin là. Mais il est plutôt pas mal. D'ailleurs ce boss me fait penser au jeu Tempo. Vous voyez le jeu Tempo là que je vous avais fait il y a pas longtemps. Franchement ce boss aurait très bien pu se trouver dans le jeu Tempo. Avec son côté rock'n'roll, chanson comme ça. Franchement. Donc Tempo hein, sur la 32X, je précise. Vous voyez comme quoi ce jeu, hein, sinon on n'avait rien à envier, je disais, à Toy Story. Parce qu'il y a un petit côté Toy Story aussi, ce jeu-là, moi je trouve. Oh. Mais par contre, c'est pas un jeu très connu de la Saturn. Et ça, c'est dommage. J'aurais aimé vous présenter le premier. Mais malheureusement, je le connais pas. C'est pour ça que je vous fais le 2. Parce que c'est le seul que je possède. Et le premier, je me suis jamais renseigné... Pour le procurer. Ah, là, enfin, on va baisser, là. Voilà. Et là, cet effet de distorsion là, c'est plutôt pas mal, moi je trouve. Oh là là là. Par contre là, si je me fais toucher encore un coup, je suis mort. Alors, attention. Ah, et on l'a vu. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais vraiment sympa. Le Peperuccio. Franchement, sa skin est vraiment très jolie. Donc voilà, ça vous aura donné un petit aperçu sur ce jeu. Je pense que tout est dit. Hein. Vous voyez, les niveaux quand même très variés. La musique, j'en ai pas parlé. C'est vrai que la musique est... Il y a pas mal de morceaux assez réussis. Moi, je trouve. Avec une ambiance un peu des années 50, 60. Je sais pas trop réellement l'ambiance des petits soldats de plomb comme ça. Mais il me semble que c'est les années plus 50, 60, il me semble. Mais franchement, j'aime bien l'ambiance. J'aime bien l'ambiance. Ah, bah voilà les niveaux que je vous parlais, les niveaux grâce auxquels on gagne des vies, tout ça grâce aux fameux jetons. Comme là, vous voyez, j'en ai gagné 43 dans les niveaux suivants. Donc, voilà. Alors là, je vais jouer jusqu'à 15h10. D'un coup, on va en jouer 15. Histoire que vous voyez un petit peu comment que ça se passe. Donc là, on perd un petit peu. Donc, vous voyez les têtes bleues avec la perruque jaune, là, c'est des vies. Hein. Donc il y en a 3 apparemment, 3 caisses, il faut que j'arrive à viser ça. Allez, je sais pas, un coup à gauche. Ah bah vous voyez, on gagne des vies. Donc là elle va me demander si je veux quitter ou doubler.
Eh ben on va doubler. Par contre, si je perds, je perdrai mes jetons. Hein. Faut faire attention. Allez. On va faire deux coups là. Oh zut, j'ai perdu. Dommage. Bon, on va quitter, je crois. Allez, c'est parti, on s'en fout. Ça, on va pas faire le jeu jusqu'à la fin. On va quitter tout ça. Et puis vous présenter le niveau suivant. Et puis on s'arrêtera là. Hein. Je pense que. Voilà, regardez, on accède à une nouvelle pièce de la maison. C'est pour ça que le jeu, vous voyez, les maps. Ça sert à ça en fait, hein, vous montrer un petit peu les pièces différentes de la maison. Et vous allez voir en quoi ce jeu pompe quand même sur Donkey Kong Country Return. C'est pour ça que je voulais aller jusque... Ah, pas Return, mais Donkey Kong Country. C'est pour ça que je voulais aller jusqu'à ce niveau. Pour vous montrer vraiment ça. Regardez les canons. Franchement, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant, on va ramasser l'œuf qui traîne là. Et regardez, avec l'effet des canons comme ça. Franchement, moi je sais pas pour vous, mais je trouve que ce jeu a quand même un vrai côté Donkey Kong Country. Ouah, je me souvenais plus de celui-là. Et j'ai pas enclenché la carte, je crois pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et les musiques, franchement, plutôt jolies. Bien que celle-ci, c'est pas ma préférée. Ouais, quand même, les effets avec les bouquins et tout, franchement, il y avait de l'idée dans le jeu. Et vous verrez qu'il est possible également de pousser des objets ou de les tirer. Pff, j'ai rien déclenché. Bon, normalement, faut courir et faire une espèce de vent. Hein. Rapide comme l'éclair. Où suis-je? C'est par là que je devais. Vous voyez, ce jeu n'est pas linéaire. Je pouvais très bien me trouver dans le plan du fond. Et tout aussi bien me trouver, vous voyez. Ah, elle va disparaître, c'est sûr. Ah ouais, j'ai pas été assez rapide. Et on pouvait pousser les objets. Je disais donc, je pouvais très bien me trouver dans le plan du fond que vous voyez là-bas, ou dans le plan actuel dans lequel je me trouve. Et c'est pour ça que ce jeu est intéressant, franchement. Il y a plein de façons de faire les niveaux. Et moi, j'aime assez. Pas réussi à ramasser l'œuf là. Merde, j'aurais dû descendre avec l'œuf. Non, c'est pas grave. Je crois que le niveau là est déjà terminé. Mais faut savoir que si je l'aurais vraiment exploré, j'aurais pu trouver vraiment plein de bonus. Et je sais pas si vous avez fait attention, ma jauge de vie. Là, désormais, j'ai 5 étoiles disponibles, mais au départ, au tout début du jeu, je sais pas si vous avez fait attention, j'avais démarré qu'avec seulement 3 roues. Et vous voyez, le fait d'explorer les niveaux, comme ça, on gagne justement des roulettes de vie, hein, si je peux dire, des roues de vie, en fait. Des points de vie, en fait. Donc voilà, bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. L'essentiel a été dit. Reste cet effet là-bas dans le fond avec le château. Franchement très joli. La 2D avec la 3D comme ça avec les décors en 3D. Franchement vraiment très joli. Moi j'aime vraiment. J'aime vraiment ce jeu. Même s'il y a un peu de repompe. Franchement. Moi j'aime beaucoup. Et c'est pour ça surtout que je voulais vous le présenter. Et puis voilà les amis. Bah écoutez on va s'arrêter là. Hein. Je vais vous dire à la prochaine.
Et puis sachez que vous pourrez retrouver nos prochains tests sur e-world oldies. Et salut les amis, ciao, à la prochaine.